Ouais. Putain. Frère Odino. Non, frère Lucas, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, c'est pas ça, hein. C'est pas bon. Tiens. Attends, hier, à l'heure aussi, on avait déjà fait la recette, hein. On avait dépassé. Ouais. On avait dépassé. Hier, à l'heure aussi, on était à 35 000. T'as vu ça? On était à 35 000. Vraiment. C'est pas bon. Tu penses qu'aujourd'hui, on va rentrer quelque chose à la maison? Monsieur, Dieu ne doit pas, hein. Dieu ne doit pas. Bon. Ah, tiens. Il y a une dame qui arrive. Ouais, ouais. Allons, voilà. Allons, ah, sois bénie la sœur. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec toi. Amen. Et que où tu vas franchir tes pieds, que le Seigneur t'accompagne partout. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes les frères Alain Lucas et Odilon Seka de l'église Les Avant-Derniers Saints. Voilà. Nous sommes là pour prêcher. Tu sais, dans la parole de Dieu, il est écrit allez et annoncer la parole du hein? D'accord. Bon, vraiment, on a besoin que vous nous aidez. Voilà, on a fini de parler de Dieu et on n'a plus rien. Donc, si vous avez quelque chose, aidez-nous. Si je comprends bien, vous êtes des évangiles. Frère Odilon, oui, frère. Pour enchérir encore ce que tu es en train de dire, tu sais, Dieu a dit dans sa parole, oui, apportez vos offrandes dans la maison de Dieu pour qu'il y ait de la nourriture. Et vous verrez, si moi, l'Éternel des armées, je ne vous ouvre pas les écouilles des cieux. Ah. Si moi, Dieu, je ne répands pas la bénédiction en abondant sur vous. Tu vois, faites parler votre cœur. Et je sais que vous allez faire parler votre cœur. En tout cas, actuellement, les temps sont durs. Très dur. Donc, c'est pas beaucoup, c'est peu. Mais comme c'est pour le Christ, c'est lui que nous tous nous présentons. Oui, c'est lui. Vous allez mettre ça dans la caisse. Non, voilà. Bien aimé. Merci beaucoup pour le geste, mais ça, on ne va pas mettre ça dans la caisse de l'église. Ça va passer à travers nous d'abord. Voilà. La caisse de l'église, c'est nous. Voilà. Voilà, on se promène maintenant avec la caisse de l'église. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on va mettre ça dans la caisse de l'église. Donc, et bien avant. Voilà. Voilà. Je vais garder ça dans la caisse de l'église. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et surtout, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que Dieu t'ouvre tes portes qui sont fermées. Amen. Voilà. Merci, sœur. Merci, sœur. Je vous remercie. Vraiment, hein? Les fois, briser les bénédictions. Tu sais qu'on a trop de choses à faire. Il y a trop de clients. Mais elle a donné 10 000. Je sais qu'elle a donné 10 000. Mais il faut bénir. Il faut abréger, petit. La sœur en Christ soit bénie. Amen. Voilà. Et que Dieu soit ton ange gardien. Amen. Voilà. Nous sommes les frères Odilon Seka et le frère Alain Lucas. Voilà. Nous sommes de l'église Les Avant-Derniers Saints. Et nous sommes dans le cadre de l'évangélisation, de l'annonce de la parole de Dieu. Et tu sais, ma soeur, pour annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas facile. C'est dur. Tes frères que nous sommes, nous avons besoin de ton soutien. Donc, si je comprends bien, vous utilisez le nom de Dieu pour escroquer de l'argent. Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Nous sommes des évangélistes. Nous parlons de Dieu à travers le monde. Donc, vous ne me reconnaissez pas. Comment ça? Vous ne me reconnaissez pas. C'est devenu votre travail tellement que vous ne pouvez pas reconnaître vos victimes. C'est le même endroit là que vous m'avez dit que vous êtes parti évangéliser, que vous n'avez plus rien pour rentrer. Je vous ai remis 10 000 francs. Nous. C'est à moi vous voulez faire ça. Madame, vous avez posé la question. Nous. Vous avez bien regardé. Toi, c'est pas comment. Odilon Seka. Toi, c'est Alain Lucas. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour escroquer de l'argent aux gens. Oh, c'est comme ça que vous faites. La soeur, faut pas dire ce genre de trucs. Ce sont des abominations que tu es en train de dire. Et puis vous êtes dans la même tenue. Tout l'argent que vous gagnez, vous faites quoi avec? Frère Odilon, allons à l'église, on va prier pour elle. Pour que Dieu puisse la parler. Oui, c'est moi qui dois prier pour vous. Non, c'est nous, on va prier. C'est moi qui vais prier. Nous, on va prier. Regardez-moi des yeux. Parce que c'est être méchant. C'est à vous qui n'êtes pas gentil. Vous ne pouvez pas participer à l'évangélisation. C'est pas bien, ma soeur. Continuez notre chemin. C'est mieux. Continuez notre chemin. On continue. Allez à vos péchés, là. Réellement des escrocs, des voleurs comme ça. C'est avec Jésus-Christ vous jouez. Il va vous brûler. Oh. Regardez-moi ça.